Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Kiroflow. Donc le premier Kiroflow, on s'était vraiment focalisé sur les fondations, la stabilité au niveau du corps pour s'ancrer à la terre et bah, justement construire nos fondations pour une bonne posture, donc les jambes, la colonne vertébrale allongée, le renforcement de la ceinture abdominale. Aujourd'hui on va vraiment travailler tout en gardant en tête ces exercices fondamentaux pour la bonne posture. On va travailler la mobilité de la cage thoracique. Donc la cage thoracique, elle comprend la colonne vertébrale thoracique, donc à peu près de là à là. Ensuite, elle comprend aussi les côtes. À l'intérieur de votre cage thoracique, vous avez bien évidemment les poumons, fermé en bas par le diaphragme et délimité en haut par les clavicules et tout le complexe de la ceinture scapulaire, donc clavicule, épaule, omoplate. Les omoplates glissent sur le grill costal et c'est pour ça qu'en travaillant la mobilité de la colonne vertébrale thoracique et de toute la cage thoracique, on va aussi travailler un petit peu les épaules au fur et à mesure du flow. Donc tout ça, ça va être vraiment à la base pour redonner une mobilité à tout de cette partie du corps, mais aussi renforcer les muscles de cette région-là pour pouvoir avoir un équilibre entre bonne mobilité mais aussi bonne fonction avec des muscles qui s'activent correctement pour que vous créez justement un bon équilibre et pas avoir des douleurs qui s'installent si vous n'avez pas une bonne stabilité, vont créer des compensations au fur et à mesure et donc un corps qui dysfonctionne. Vraiment le but de ces Kiroflow, ça va être d'installer les fondations pour une bonne posture, une bonne stabilité et renforcer vos muscles de façon fonctionnelle. Pour ce Kiroflow, à la fin, vous allez avoir besoin de poids, vraiment pas très lourd, 1 kg ça suffit. Il y a un seul exercice avec les poids, vous pouvez même le faire sans poids. Faites petit à petit, si vous commencez et que vous avez du mal avec les poids, vous faites sans poids, puis au fur et à mesure, vous prenez les poids et si vous n'en avez pas, vous pouvez bien évidemment prendre des bouteilles d'eau. Donc c'est parti, on commence debout sur le tapis. Donc comme d'habitude, on commence debout, les pieds parallèles, largeur bassin. On va commencer par échauffer la nuque. Donc faites des grands cercles avec votre nuque en laissant bien tomber vos épaules en bas. Allez-y tranquille, en arrière. Sentez que vous commencez à étirer tous les muscles au niveau de la région cervicale, des épaules, des trapèzes, les muscles postérieur de la nuque qui vous maintiennent droit. Vous êtes debout assis devant l'ordinateur sur votre chaise. Changez de sens et vous mobilisez aussi vertèbre après vertèbre toutes les articulations de la nuque jusqu'à la base des épaules. Continuez à faire des grands cercles à votre rythme sans forcer vraiment. On échauffe, on réveille le corps, les articulations. On y va tranquille. Dernier cercle. Laissez bien tomber vos épaules. Et quand vous avez terminé ce dernier cercle, revenez en position debout. La colonne vertébrale droite, les épaules en bas et en arrière. Allongez votre dos, allongez vos jambes et on va échauffer les épaules. Inspirez, épaules vers le ciel. Expirez, épaules en bas et en arrière. Encore, inspirez. Expirez, en bas et en arrière. Dernière fois, inspirez. Expirez, en bas et en arrière. On change de sens, de l'arrière vers l'avant. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Expirez, écartez un petit peu plus vos jambes, plus larges que le bassin. Mettez vos deux mains sur les hanches et faites des grands cercles au niveau de vos hanches. Mobilisez vos lombaires aussi, rentrez bien le ventre. Encore une fois, là on échauffe partie par partie les articulations. On étire, on réveille un peu nos muscles. C'est vraiment la première partie pour éveiller le corps et ensuite on fera des exercices spécifiques pour chaque partie du corps. Partez bien en arrière pour sentir l'arrière de vos cuisses, de votre chaîne postérieure. Changez de sens vers l'arrière, sur le côté, vers l'avant, de l'autre côté, vers l'arrière à nouveau.
faites des grands cercles, sentez que ça étire l'arrière des jambes, que ça mobilise vos hanches, que vous sentez vos lombaires tranquillement se déverrouiller. Dernière fois. Et relâchez. Revenez en équilibre sur vos deux jambes à peu près largeur bassin. On va continuer à mobiliser les hanches avant d'étirer la cage thoracique et ouvrir le cœur, les poumons, en faisant des grands mouvements de hanches. Donc on est encore au début de la pratique, au début de ce flow, donc allez-y tranquillement, ne forcez pas, faites par rapport à votre physiologie à vous. Vous allez faire des grands cercles avec la hanche, on va en faire 5 avec la jambe droite et 5 avec la jambe gauche. Encore une fois, vous faites l'amplitude de mouvement qui vous correspond. C'est parti. 5 à droite. Vraiment, vous pouvez vous aider avec vos bras pour garder les pieds. Bien mobiliser la hanche, le bassin. Commencez déjà à travailler sur votre jambe d'appui. Allez, encore 2. Sentez que vous stabilisez au niveau de la ceinture lombo-pelvienne et de vos abdominaux. Relâchez, on fait de côté. Grandissez-vous sur votre jambe de terre, en équilibre, mobilisez votre hanche. Encore une fois, c'est votre amplitude à vous. Encore 2, encore 1, et relâchez. Ok. On va continuer avec un exercice encore d'échauffement, d'étirement. Je me mets le profil à vous, grande fente avant sur votre jambe droite. Donc pliez profondément sur votre jambe droite, allongez la jambe gauche. Le but ici, c'est pas de faire un stretching du psoas, mais ça va être vraiment de travailler la cage thoracique. Donc si vous voulez rapprocher un petit peu votre jambe en arrière, il n'y a pas de problème. Encore une fois, faites tranquille. Au début, on échauffe, on étire tranquillement. Donc grande fente avant, posez les deux mains au sol. La main droite à l'intérieur du pied droit. Vous allez inspirer, twister vers la gauche. Gardez votre bassin ouvert, cœur ouvert, votre pied est en demi-pointe derrière, mais il est au sol. Donc le talon n'est pas au sol, demi-pointe, ok? Il n'y a que les orteils au sol. Donc inspirez et expirez, regardez vers le ciel, allongez le bras vers le ciel au maximum, ouvrez le cœur, stretchez vos poumons, chaque espace intercostal est agrandi. Allongez la colonne vertébrale, inspirez et expirez, revenez, on fait ça encore 2 fois, inspirez, ouvrez, expirez, allongez le bras vers le ciel, restez, ouvrez le cœur, stretchez vos poumons, inspirez, expirez, revenez, dernière fois, inspirez, expirez, déroulez le bras. Regardez vers le ciel, allongez bien la colonne vertébrale, avalez le nombril pour protéger votre bas du dos, inspirez, étirez, expirez, revenez. Tout de suite, changez de jambe, grande fente avant de l'autre côté. À nouveau, cette fois-ci, main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Et à nouveau pour le twist, inspirez. Levez le cou, expirez, déroulez le bras, inspirez, restez, avalez le nombril, allongez la colonne vertébrale, abaissez bien les épaules, allongez la nuque, inspirez, étirez un peu plus, expirez, revenez, encore 2 fois, inspirez, twistez, coude vers le ciel, expirez, déroulez le bras, inspirez, restez. Étirez un peu plus, allongez la colonne vertébrale, repoussez le sol avec vos jambes. Inspirez, étirez. Expirez, revenez. Dernière fois, vous devez sentir votre cœur qui commence à s'échauffer, à s'ouvrir. Inspirez, coude vers le ciel. Expirez, déroulez. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez, étirez. Et expirez, revenez. Et tranquillement, on se retrouve debout, deux jambes parallèles, largeur bassin. Ok, donc maintenant qu'on a vraiment mobilisé toutes les articulations du corps en faisant des micro-mouvements, là on va vraiment venir faire des exercices spécifiques
pour l'étirement, l'ouverture de la cage thoracique, toujours, toujours, toujours avec nos fondations pour une bonne stabilité lombo-palvienne, donc en travaillant nos abdominaux et aussi le maintien et l'équilibre des lombaires et du bassin. Donc avant de continuer, on va établir la respiration en décompressant la colonne vertébrale, donc pour l'allonger, comme on avait fait dans le chiroflow numéro 1. Vous allez tout d'abord ancrer vos jambes, votre fondation au sol. Donc pour ça, vous étalez complètement vos pieds au sol, parallèle largeur bassin, toujours. Vous devez sentir que le poids du corps est égal à la fois à l'intérieur de la voûte plantaire et à l'extérieur. Donc vraiment, vous êtes en équilibre sur toute votre voûte plantaire. Vous vous enracinez au sol et vous sentez tous les muscles des jambes qui s'activent pour vous grandir, vous grandir, vous grandir. Ensuite, une fois que vous avez ces fondations-là, vous allez mettre votre petit doigt au niveau de l'os qui ressort du bassin en avant, donc juste là. Petit doigt sur l'os qui ressort en avant et les pouces au niveau de la 12e côte. Ici, ça va vous aider pour un marqueur. Vous allez pouvoir sentir vos doigts s'écarter quand vous inspirez et rester quand vous expirez. Le but, je vous montre sur le côté, ça va être d'inspirer et vous inspirez pas que vers l'avant, vous inspirez vers le ciel. Donc vous inspirez et quand vous expirez, vous ne voulez pas vous relâcher complètement. Vous inspirez et vous expirez. Et vous rentrez le ventre toujours en gardant la colonne vertébrale allongée. Vous inspirez et vous expirez. Et vous sentez au fur et à mesure que votre colonne vertébrale s'allonge et que vous avez ancré vraiment une bonne posture dans l'ensemble de votre corps grâce à la colonne vertébrale alignée. Vous avez toujours vos oreilles au-dessus des épaules, vos épaules au-dessus du bassin et le bassin au-dessus des talons. D'accord ? Donc on n'est pas en train de cambrer, on n'est pas complètement le bassin vers l'avant, on est allongé, tout est aligné et on respecte l'alignement naturel du corps. Donc c'est parti pour la respiration pour décompresser la colonne vertébrale. Donc placez-vous tranquillement et on va inspirer. Expirez, soufflez, abaissez bien les épaules en bas et en arrière, grandissez-vous, encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Avec les bras, inspirez, montez les coudes vers le ciel. Expirez, restez. Étirez-vous vers le ciel au maximum. Inspirez. Expirez. Et on déroule les bras. Inspirez. Bras vers le ciel. Expirez. Et relâchez tranquillement les bras. Gardez votre colonne vertébrale allongée, le centre abdominal engagé. Et là, avec cette fondation solide de l'alignement du corps, d'une colonne vertébrale étirée, allongée et d'une stabilité lombo-pelvienne, on va pouvoir commencer à mobiliser la cage thoracique sans se faire mal. Donc vous gardez toujours, toujours, toujours pour les exercices cette stabilité, cet ancrage et cette décompression de la colonne vertébrale. On va venir mobiliser les thoraciques en twist. Vous allez mettre les coudes sur le côté et on va faire twist à droite, twist à gauche. Twist à droite, twist à gauche. Ok, on fait ça comme ça à peu près 10 fois. Et ensuite, pour amplifier le mouvement, on ira regarder là où vont nos coudes. Ok ? Mais avant, il faut vérifier que vous avez bien un ancrage au sol, vos genoux au-dessus des pieds et votre colonne vertébrale allongée avec un centre abdominal engagé. Donc ça fait beaucoup d'informations, mais c'est super important. Donc c'est parti, vous allongez la colonne vertébrale. Vous vous grandissez, vous avalez le nombril, inspirez et expirez, twistez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Ne vous baladez pas avec vos hanches, les genoux vers l'intérieur, vraiment, il n'y a que le tronc qui bouge. Et vous pouvez le faire plus rapidement. Allez. Encore. 4, 3,
et allez chercher vers l'arrière. Pour 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ok. Deuxième exercice, on va venir mobiliser nos épaules, mais toujours en ouvrant le cœur, donc on monte de dos. Vous allez lever le bras droit et aller chercher avec votre bras gauche vers l'arrière, comme si pour les femmes vous voulez retirer votre soutien-gorge, pour les hommes vous voulez aller toucher le milieu de votre dos entre les omoplates. Donc bras droit vers le ciel, bras gauche vers le bas, comme si vous voulez toucher vos mains. C'est pas la peine de les toucher, c'est juste que vous allez à leur rencontre. Donc d'un côté comme ça, et de l'autre côté on fait l'inverse. En plus de ça, on va ajouter un léger twist. Twist. Toujours en stabilisant avec notre ancrage, colonne vertébrale décompressée et centre abdominal engagé. Pliez légèrement les genoux et c'est parti. Engagez les quadriceps. Relâchez les bras. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ça chauffe un petit peu dans les deltoïdes, c'est normal. Ça, c'est vraiment top pour toute la mobilité des épaules, mais aussi engager le twist au niveau de la colonne vertébrale et stretcher la cage thoracique, vraiment. Ok, maintenant, dernier exercice, on va avoir besoin de nos poids. Donc, vous allez écarter les jambes plus larges que le bassin. Les deux pieds sont parallèles, ok. Si vous sentez que vous êtes un petit peu faible au niveau de l'engagement de la ceinture abdominale, vous n'êtes pas obligé de prendre des poids. Si vous avez l'habitude de faire du yoga, du pilates, et que vous travaillez déjà souvent la ceinture abdominale et les bras, vous prenez des poids. Donc on va commencer en grand squat, hein, vous voyez, c'est vraiment les pieds sont plus larges que le bassin, c'est pas un squat normal, c'est plus large que le bassin, mais toujours les deux pieds parallèles. Pliez profondément en squat, poids du corps vers l'avant. Vous vous souvenez, dans le chiroflow numéro 1, on a travaillé le squat ancré au sol avec une colonne vertébrale bien décompressée. Ici, c'est exactement la même chose, même si vous avez les pieds plus larges que le bassin, vous allez décompresser la colonne vertébrale dans votre squat, allonger au maximum votre dos, rentrer le ventre, engager le centre abdominal, vous engagez aussi les jambes, contracter au maximum les quadriceps. Le poids du corps est égal à l'intérieur des pieds comme à l'extérieur des pieds. Et ici, vous allez inspirer et expirer, monter vos bras sur le côté. Inspirez, vous allongez. Expirez, montez les bras sur le côté. Le but, c'est d'allonger le corps au maximum. Inspirez, expirez. Et vous sentez vos omoplates se rapprocher à l'arrière. Expirez, montez. Vous gardez vos coudes comme si vous vouliez vous envoler. C'est pas comme ça, c'est vraiment comme ça. Donc je vous montre de profil. Vous êtes en squat fonctionnel ancré comme on a travaillé dans nos fondations. Donc vous inspirez et vous expirez. Coude vers le ciel, inspirez, expirez, coude vers le ciel. On fait ça 10 fois, c'est parti. Inspirez, décompressez la colonne vertébrale allongée, expirez, rentrez le ventre, soufflez par la bouche. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez. Expirez. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Paume de main vers le sol, coude vers le ciel. Inspirez. Expirez. Engagez tous les muscles des jambes. Inspirez. Expirez. Allez, encore 4. Inspirez. Expirez. Rentrez le ventre, allongez la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Encore 2, inspirez, expirez, dernière fois, inspirez, et expirez,
et relâchez. Ok. Donc vous voyez, les deux derniers exercices, ça travaille vraiment les épaules, mais c'est toujours engagé avec la cage thoracique et la stabilité lombo-pelvienne. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour avoir une posture fonctionnelle et physiologique, vraiment travailler sur l'équilibre de l'ensemble du corps. Il faut savoir ancrer une bonne fondation, les jambes au sol, une colonne vertébrale décompressée. Et ensuite, vous faites tout ce que vous voulez avec le reste du corps. On peut s'asseoir tranquillement. On va passer aux exercices de respiration pour calmer le corps, reconnecter à l'esprit, comme d'habitude. Donc cette fois-ci, on va pas faire les 33 respirations. Là, on va faire un autre style de respiration pour vous donner plusieurs outils aussi à faire chez vous. Donc ça s'appelle la respiration du feu, toujours pour faire circuler les énergies, surtout après une séance comme ça, pour pas s'endormir, pour pas se sentir down, vraiment pour faire circuler le feu dans votre corps et ressortir de cette séance plein d'énergie. Donc pour cette respiration du feu, vous vous asseyez assis à la japonaise, les deux mains sur les genoux, vous tendez vos bras pour vous maintenir en fait votre dos, parce qu'on va vouloir relâcher le ventre, et donc pour ça il faut un maintien au niveau des bras, sinon vous allez vouloir contracter les abdominaux pour vous maintenir droit. Je vous montre, c'est un peu spécial, vous allez inspirer et expirer comme si vous vouliez souffler une bougie de loin et avaler l'ombril. Donc ça fait ça. Donc on fait ça à peu près 30 fois, 30 expirations, et à la fin, on va vraiment accélérer le plus vite possible pour les 20 dernières, ok? Donc ça fait 50 respirations en tout, et je vous dirai quand on accélère. Donc c'est parti, positionnez-vous assis à la japonaise, les deux bras tendus devant vous, et c'est parti. Colonne vertébrale, paume de main vers le ciel. Concentrez-vous sur vos sensations. Comment est-ce que l'énergie circule à nouveau dans votre corps? Comment vous sentez dans vos articulations? Votre tonus musculaire? Votre focus mental? Et cette connexion que vous avez établie entre votre corps et votre esprit. Vous êtes à 100% présent ici sur votre tapis pour commencer votre journée avec beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, beaucoup de connexion. Vous êtes stable, vous avez travaillé votre ancrage, votre posture, allongement de la colonne vertébrale pour vous grandir au quotidien. Vous avez ouvert votre cœur, vous lui permettez ainsi de vibrer plus fort, d'avoir un champ électromagnétique plus grand. Vous êtes à 100% présent dans votre corps. Avec cette sensation de présence intense, ici et maintenant, dans votre corps, dans votre tête, les deux connectés et non séparés, prenez une grande inspiration par la bouche. Expirez, soufflez par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Expirez, soufflez par la bouche.
Dernière fois, inspirez par le nez, grandissez-vous. Expirez par la bouche. Remerciez votre corps pour la pratique. Je vous remercie pour avoir suivi cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait du bien. N'oubliez pas que ça, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour ancrer son corps au sol, c'est pour travailler sa posture, pour travailler son alignement physique, physiologique au niveau de la colonne vertébrale. Mais vous allez aussi impacter votre système nerveux. Donc, vous allez travailler aussi un alignement neuro-émotionnel. Donc c'est vraiment ce qui est hyper important, réussir avec le mouvement, avec la respiration, avec la méditation, à reconnecter son corps avec son esprit, son mental, pour pouvoir travailler direct, avoir une vision claire et aller vers ce que vous voulez. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette séance avec moi. On se retrouve très vite. Bonne journée.